Ubisoft a enfin officialisé ce qu'on savait tous depuis un an, hein. Le prochain Assassin's Creed se déroulera au temps des Vikings. Alors, dans Assassin's Creed Valhalla, vous allez incarner Eivor, un combattant masculin ou féminin, c'est à vous de choisir, qui va partir à la conquête des côtes britanniques. Une fois sur place, il va falloir créer un campement et le faire grossir en pillant des villages, en faisant des raids avec votre bateau viking. Et oui, on pourra naviguer sur les rivières anglaises, mais aussi en combattant les armées des différents rois et plus particulièrement un certain Alfred le Grand. Côté gameplay, eh bien, on sait déjà qu'on pourra se battre avec deux armes à la main, lancer des haches, utiliser des béliers pour défoncer les portes des forteresses, mais le jeu proposera également des phases plus furtives, notamment quand il faudra s'infiltrer dans des grandes villes telles que Londres. On sait aussi que les dieux vikings seront de la partie, hein, Odin et compagnie, que vous pourrez personnaliser Eivor, et encore plein d'autres choses que l'on détaille dans plusieurs vidéos de la chaîne, je vous mets un lien en haut à droite. Bref, Assassin's Creed Valhalla s'annonce épique, violent, sublime, en un mot, tout ce qu'attendent les fans, et perso, j'ai hâte de mettre la main dessus. C'est officiel, l'éditeur Electronic Arts a déclaré que le prochain Battlefield ne sortirait pas avant 2021. Le président d'Electronic Arts, Andrew Wilson, a aussi précisé que malgré la pandémie et le télétravail, eh bien le développement de Battlefield se déroule très bien et qu'il a hâte d'être à l'année prochaine pour nous faire découvrir le jeu. Bref, on n'en sait pas plus pour l'instant, pas la moindre vidéo, pas la moindre image, mais le rendez-vous est donc pris pour 2021. Le projet pharaonique du créateur français Michel Ancel, eh bien, n'est pas prêt d'arriver. Néanmoins, il continue de nous faire rêver avec cette promesse de visiter une galaxie immense composée de milliers de planètes. Alors, dans Beyond Good and Evil 2, vous allez incarner un pirate de l'espace luttant contre la tyrannie de méga corporations. Vous pourrez recruter votre équipage, explorer des contrées exotiques, affronter des créatures fabuleuses, bref, c'est l'aventure avec un grand A. A noter que le jeu sera entièrement en ligne et vous pourrez croiser d'autres joueurs pendant votre partie. Bref, c'est un projet ultra ambitieux, peut-être même trop ambitieux. Espérons qu'il finira par voir le jour. L'éditeur 2K Games a officialisé la mise en chantier d'un nouvel épisode de BioShock, le quatrième donc. Le développement a été confié à un studio spécialement créé pour l'occasion, Cloud Chamber, dans lequel on retrouve des personnes ayant travaillé sur les précédents BioShock. Bon, par contre, le créateur original de la série, Ken Levine, ne fait pas partie du projet, ce qui fait déjà un peu tilter les fans. Pour le reste, nada, walou, on ne sait absolument rien sur ce BioShock 4, si ce n'est qu'il ne sortira pas avant 2021, voire 2022. Si je vous dis que ce jeu est l'œuvre d'une seule personne, vous me croyez ou pas? Eh bien pourtant, c'est le cas. En effet, Bright Memory a été créé par un développeur chinois, Feng Heifweiqd, qui a d'abord sorti une version courte de son jeu sur Steam, et qui s'attaque aujourd'hui à un jeu plus ambitieux sur Xbox Series X, le fameux Bright Memory Infinite. Alors en gros, il s'agit d'un fast FPS, hein, dans la lignée de Doom Eternal ou encore Shadow Warriors, dans lequel vous allez vous battre avec des armes à feu, des épées, un grappin laser, des pouvoirs spéciaux, et il y aura même a priori des phases de conduite. Enfin bref, c'est un peu fourre-tout. Côté scénario, c'est aussi un peu compliqué, mais enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez incarner une combattante du nom de Sheila, qui va se retrouver téléportée sur une île au-dessus du pôle Nord, voilà voilà, et va devoir combattre des hordes de monstres ramenés à la vie par une substance chelou, enfin bref, un truc comme ça. Alors, c'est plutôt joli, ça donne plutôt envie, mais il faut savoir que ce jeu a une réputation un peu sulfureuse. En effet, son créateur Feng Heifweiqd, eh bien, a avoué avoir volé des éléments d'autres jeux pour créer Bright Memory. Alors depuis, il s'est excusé, il a enlevé du jeu tout ce qu'il avait emprunté, mais n'empêche, ça fait quand même un petit peu tâche. En tout cas, j'espère que toute cette vilaine histoire n'aura pas de répercussions sur le développement de cette version Xbox Series X, car Bright Memory Infinite a quand même tout pour devenir un gros succès, qu'il n'aura pas volé, bien sûr. L'éditeur Activision a confirmé ce que l'on imaginait tous, évidemment, un nouvel épisode de Call of Duty sortira bien en 2020. On imagine qu'il sera cross-gen, hein, qu'il sortira à la fois sur PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X. Pour le reste, aucune info sur la période choisie pour cet épisode, ni même le nom du studio qui s'en occupe, même si en toute logique, ce devait être Sledgehammer Games qui avait réalisé Call of Duty World War II.
À mon avis, on entendra très très vite parler de ce nouvel épisode de Call of Duty, donc surveillez bien la chaîne de Jeux Vidéo Magazine. I've traveled so very far to find you. Call of the Sea raconte l'histoire de Nora, une jeune femme partie à la recherche de son mari disparu quelque part sur une île du Pacifique Sud. Bien entendu, de nombreux obstacles vont lui barrer la route et vous devrez l'aider en résolvant diverses énigmes. La bande-annonce de Call of the Sea ne donne pas beaucoup d'indices sur la nature exacte du gameplay, mais par contre je trouve que la direction artistique est plutôt réussie. L'île semble offrir de nombreux panoramas à couper le souffle et devrait regorger de mystères occultes. Bref, Call of the Sea est un jeu à surveiller de près car ça pourrait bien être une bonne surprise. I'm scared of what it means. I feel the call of something. Each tribulation we have overcome. Le studio Deep Silver Fish Labs travaille sur un jeu de tir spatial baptisé Chorus. Vous y incarnerez une pilote de vaisseau appelée Nara, accompagnée d'une intelligence artificielle baptisée quant à elle Forsaken. Le but du jeu sera bien sûr de tout détruire à l'écran, mais Chorus revendique tout de même une dimension narrative, puisque vous devrez combattre une espèce de secte dont Nara s'est échappée. Niveau gameplay, vous aurez accès à plein d'armes différentes, mais aussi quelques pouvoirs spéciaux comme la téléportation. Pour l'instant, Chorus s'annonce assez bien, c'est plutôt joli, mais la bande-annonce n'en montre vraiment pas assez pour se faire une première idée. À suivre donc. On n'en peut plus de l'attendre celui-là. Cyberpunk 2077 est bien entendu la grosse bombe RPG de l'année 2020, et le jeu sortira bien évidemment sur les consoles next-gen, mais sans doute pas avant 2021. En attendant, on pourra déjà jouer à la version Xbox One sur la Xbox Series X à sa sortie via le Smart Delivery. Du côté de chez Sony, on attend encore la confirmation de cette rétrocompatibilité. En ce qui concerne le jeu, eh bien vous allez être plongé dans les rues de Night City, une ville futuriste au look cyberpunk, et devrez survivre dans cet enfer urbain où les différents gangs se livrent une guerre sans pitié. Combat, infiltration, dialogue à choix multiples, le studio CD Projekt Red a mis tout son savoir-faire pour nous concocter une aventure inoubliable. Et même si certains regrettent que le jeu soit uniquement en vue FPS, eh bien moi, je ne vais pas bouder mon plaisir à la sortie du jeu. Bref, vivement septembre déjà, pour l'arrivée des versions PS4 et Xbox One. These games are the vilest way of bringing us all together. Le studio Bungie a confirmé que Destiny 2 fera le voyage des consoles actuelles vers la next-gen. Alors par contre, pas d'autres informations sur une éventuelle amélioration technique du jeu, mais on peut supposer que le shooter MMO de Bungie bénéficiera d'une résolution 4K et tournera en 60 images secondes sur la PS5 et la Xbox Series X. En attendant, une nouvelle extension devrait arriver à la rentrée et Bungie en profitera certainement pour en dire plus à ce moment-là sur ce Destiny 2 version next-gen. La série Dirt revient avec ce cinquième épisode pour proposer de nouvelles courses automobiles tout-terrain dans des environnements aux quatre coins du monde, de New York à Rio de Janeiro, en passant par la Grèce ou la Chine, pour mettre vos talents de pilote à rude épreuve, en tout cas c'est le communiqué de presse qui le dit. Bon, moi perso, je retiens surtout que Dirt 5 proposera un mode multijoueur à 4 en écran splitté, à l'ancienne. Ça fait plaisir de se dire qu'on va pouvoir jouer avec ses potes sur le même canapé. A noter également que les acteurs Nolan North et Troy Baker, vous savez, hein, c'est ceux qui font notamment les voix anglaises de Nathan Drake et de son frère Sam dans Uncharted 4, eh bien, commenteront le mode carrière de Dirt 5. Et connaissant les deux loustiques, ça peut être assez marrant. Pour le reste, ça s'annonce assez joli, hein, sans être non plus révolutionnaire. Mais j'attends surtout de voir les sensations de conduite manette en main. J'espère d'ailleurs que le jeu mettra à profit les fameux retours haptiques des manettes next-gen. On verra tout ça a priori fin 2020. Les fans de la série Dragon Age vont devoir prendre leur mal en patience car ce quatrième épisode du fameux RPG de BioWare ne devrait pas arriver avant avril 2022 au mieux. What? Et puis il ne faut pas oublier non plus les énormes problèmes au sein du studio BioWare, fortement remis en cause après l'échec critique et commercial de leur précédent jeu Anthem. Du coup, hormis ce teaser diffusé aux Game Awards en 2018, eh bien aucune information officielle n'a été communiquée sur Dragon Age 4. On peut néanmoins espérer que le jeu sera présenté durant le Play Live d'Electronic Arts qui sera diffusé le 12 juin prochain. Allez, moi j'y crois.
Ça fait longtemps que le studio Techland a annoncé la sortie de Dying Light 2 sur les consoles next-gen. Mais entre-temps, le jeu a été repoussé à une date inconnue et il se murmure que le studio est en proie à des tensions assez vives. A priori, ils auraient les yeux bien plus gros que le ventre et le jeu final risque d'être moins ambitieux qu'annoncé. Je rappelle que Dying Light 2 promet de parcourir une immense ville infestée de zombies et divisée en plusieurs clans rivaux. Le joueur pourra s'allier avec l'un ou l'autre de ces clans, ce qui changera profondément l'histoire et l'aspect de la ville. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles du jeu, donc on croise les doigts pour qu'il sorte déjà sur PS4 et Xbox One, et ensuite sur Next Gen. Après le jeu de pirates Sea of Thieves, le studio britannique Rare travaille sur un nouveau projet aussi joli que mystérieux, Everwild. La description officielle se contente d'évoquer des expériences uniques et inoubliables dans un monde magique aussi vrai que nature. Bon, avec ça, on n'apprend pas grand-chose, mais c'est clair que le trailer donne vachement envie. Les graphismes sont absolument magnifiques, la musique envoûtante, et on sent que la beauté de la nature sera au cœur de l'histoire. On devrait en savoir plus en juillet lors du Inside Xbox de Microsoft. Vivement ! Même si toutes les compétitions de football ont été suspendues à cause de la pandémie, Electronic Arts reste confiant et maintient la sortie de FIFA 21 pour septembre prochain sur les consoles actuelles. Logiquement, la version next-gen devrait débarquer dans la foulée, sauf si d'ici là, bien sûr, les championnats n'ont pas pu reprendre. De toute façon, chez Electronic Arts, on considère que faute de vraies compétitions, eh bien les gens se tourneront vers les simulations telles que FIFA 21. Reste à voir comment ils vont actualiser les stats de joueurs inactifs depuis plusieurs mois. Mais qu'est-ce que c'est beau ! Flight Simulator, c'est vraiment une grosse claque visuelle. Et en plus, Cocorico, il est développé par un studio français, Asobo. Flight Simulator va donc vous permettre de survoler les plus beaux paysages du monde entier, car oui, c'est l'intégralité du globe terrestre qui a été modélisée, notamment grâce aux données de Bing Maps, le concurrent de Google Maps, développé par Microsoft. Le rendu est donc impressionnant, mais nécessitera une connexion permanente à Internet. De plus, pas sûr que le jeu soit aussi beau que ça sur Xbox Series X, car a priori, la puissance de la console est en dessous de la configuration optimale sur PC indiquée par le studio Asobo. On verra ça quand il sera disponible. En tout cas, sachez que si vous n'êtes pas un pilote d'avion dans l'âme, vous pourrez quand même profiter des magnifiques paysages de Flight Simulator, car le jeu intégrera un mode débutant accessible pour tous. Et ben ça, c'est bien pour moi, ça, c'est parfait. Godfall a été le premier jeu officiellement annoncé pour la PS5 lors des Game Awards en 2019. Et pourtant, il n'a pas fait grande sensation, hein, car au final, il a l'air assez classique et pas très impressionnant non plus d'un point de vue technique. Godfall proposera des combats en coopération jusqu'à 3 joueurs, avec des guerriers en armure, combattant des créatures gigantesques. On nous promet également des éléments de RPG, avec notamment du loot, mais à l'heure actuelle, c'est à peu près tout ce que l'on sait sur ce jeu, qui est développé par le petit studio Counterplay Games. Bref, j'en attends pas grand-chose, mais sait-on jamais. Dévoilé lors de l'E3 en 2019, Gods and Monsters est développé chez Ubisoft par le studio à qui l'on doit Assassin's Creed Odyssey. Le jeu vous transportera sur une île peuplée de créatures mythiques que vous devrez affronter pour sauver les dieux grecs. Pour cela, vous disposerez de pouvoirs spéciaux conférés justement par ces mêmes dieux. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait sur le jeu. Visuellement, Gods and Monsters rappelle beaucoup Zelda Breath of the Wild, et à mon avis, ça n'est pas un hasard. This is a story 1000 times told. Le studio THQ Nordic a confirmé qu'il travaillait sur un remake du RPG Gothic, sorti à la base en 2001. THQ Nordic a d'abord réalisé une démo de ce remake et a demandé aux joueurs s'ils souhaitaient voir un jeu complet. 95% des sondés ont répondu oui, du coup le projet a été validé. Gothic sera donc entièrement refait avec l'Unreal Engine 4 et proposera une aventure et un monde relativement similaire à The Witcher. De quoi faire patienter les fans d'action RPG en attendant l'annonce d'un possible Witcher 4.
Le studio Polyphony Digital travaille d'ores et déjà sur le prochain épisode de Gran Turismo et on pressent même que le jeu sera au lancement de la PlayStation 5. Alors aucune image n'a encore été révélée, si ce n'est cette démo de Gran Turismo Sport qui tourne en 8K et 120 images secondes, laissant entrevoir ce à quoi pourrait ressembler Gran Turismo sur PS5. Et puis il y a aussi cette vidéo montrant le travail sur la modélisation des voitures et notamment l'emploi du ray tracing, hein, preuve que cette technologie de réflexion de la lumière sera bien utilisé sur PS5. En attendant, les fans espèrent un épisode plus complet que le précédent, avec notamment un mode solo digne de ce nom qui était absent de Gran Turismo Sport à son lancement. Voilà, Polyphony Digital, vous êtes prévenus, les fans vous attendent au prochain tournant. C'est bien entendu le jeu que tout le monde attend sur Xbox Series X pour voir ce que la console a dans le ventre. Halo Infinite, développé par le studio 343 Industries, verra le retour du Master Chief pour une nouvelle histoire qui prendra la suite d'Halo 5 Guardians. Alors niveau scénario, c'est à peu près tout ce qu'a dévoilé Microsoft. Et en ce qui concerne le gameplay, eh bien on nous promet du contenu ambitieux et inattendu. Mais personnellement, j'ai surtout hâte de voir le tout nouveau moteur graphique Sleep Space en action. Et j'espère aussi que cette aventure proposera des environnements plus vastes. C'est en tout cas ce que laisse entrevoir le tout premier trailer de Halo Infinite. Le jeu devrait être dispo au lancement de la Xbox Series X, donc a priori, il n'y a plus que quelques mois à patienter avant d'incarner à nouveau le Master Chief. Les fans de la licence sont forcément au courant, et Electronic Arts et le studio Maxis ont annoncé travailler actuellement sur les Sims 5. Alors, on ne s'emballe pas, hein, c'est juste le début du développement, le jeu ne devrait pas arriver avant 2021 au plus tôt. Mais la célèbre saga de simulation de vie reviendra donc avec un nouvel épisode, après les Sims 4 qui n'a pas convaincu tout le monde, on va dire. On imagine donc des Sims remis au goût du jour, supplément sauce next-gen, avec des mondes toujours plus vastes et des possibilités encore plus grandes. On espère notamment l'ajout d'un mode multijoueur qui permettrait de comparer ces Sims avec d'autres joueurs, mais sur ce point, Electronic Arts n'a pas encore tranché la question. Il faut dire que l'échec des Sims Online, dont les serveurs se sont arrêtés en 2008, a dû refroidir un peu l'éditeur américain. On espère bien entendu en savoir plus le 12 juin prochain, lors du live play d'Electronic Arts. En attendant, vous imaginez les hurlements d'un bébé Sims avec les puces audio 3D des nouvelles consoles ? Ça va être un régal. Si vous avez toujours rêvé d'une adaptation du comics Ant-Man en jeu vidéo, eh bien continuez de rêver, hein, car à mon avis, ce n'est pas Microman qui va vous combler. Alors certes, le héros de ce jeu est lui aussi réduit à la taille d'un insecte, mais à part ça, ça n'a vraiment rien à voir. On va pas se mentir, Microman s'annonce comme un jeu très moyen, avec des graphismes pas du tout next-gen, des animations pas du tout réalistes, et une aventure pas du tout palpitante. Néanmoins, le jeu est bel et bien prévu sur next-gen, c'est pour ça qu'il fait partie de cette vidéo. Mais vraiment que pour ça, hein. Questions. Le studio Bloober Team a décidé d'adapter sur console next-gen son jeu Observer, qui se déroule dans un futur type cyberpunk. Vous y incarnez un détective, hein, qui enquête sur des crimes en pénétrant dans les rêves et surtout les cauchemars de ses cibles. Pour cette nouvelle version, Bloober Team nous promet un gameplay et une histoire revisitée, mais le trailer montre surtout bien sûr que les graphismes ont été améliorés. Ce sera donc plus beau, plus fin, plus détaillé, mais a priori toujours aussi chelou. Bref, si vous avez loupé Observer sur les consoles actuelles, eh bien vous pourrez vous rattraper sur Next Gen avec cette version sous-titrée System Redux. My name is Daniel Lozarski. The anomaly unleashed within us, burning with power. Entre deux RPG Final Fantasy, l'éditeur Square Enix s'essaye à d'autres genres, en l'occurrence le shooter bien bourrin. En effet, Outriders est un jeu d'action en coopération, dans lequel il va falloir tuer des vagues de monstres en choisissant votre guerrier parmi trois classes disponibles, pyromancien, illusionniste ou ravageur. Bien entendu, chaque personnage aura ses avantages et ses inconvénients, et il faudra donc former des équipes homogènes avec des persos qui se complètent. Rien de nouveau sous le soleil donc, Outriders s'annonce assez générique, tant au niveau de la réalisation que du gameplay. C'est propre mais ça n'a pas vraiment d'âme, et à la rédac on avait trouvé ça vite répétitif quand on a pu l'essayer il y a quelques mois. Bref, Outriders, c'est plutôt un outsider pour l'instant. Quel humour! It was a big pain in the neck.
Le studio Double Fine nous prépare un nouveau jeu bien barré dont il a le secret. Psychonauts 2, tout comme le premier épisode, vous permettra d'incarner Raz, un jeune homme capable de rentrer dans l'esprit des gens pour s'y balader et faire des trouvailles surprenantes. Il dispose également de pouvoirs télékinésiques pour affronter les étranges créatures rencontrées dans les circonvolutions des cerveaux. Ça fait presque 5 ans que Psychonauts 2 est en développement, donc j'ai hâte d'en savoir plus. Ça tombe bien, le studio Double Fine a confirmé qu'il montrera du gameplay au Inside Xbox de Microsoft en juillet prochain. J'espère qu'on pourra y entendre la voix de l'acteur Jack Black, hein, qui est censé doubler un cerveau dans un bocal. Bref, vous voyez un petit peu le niveau de délire. Never be the same again for the Psychonauts. Développé par le petit studio Team Kill Media, hein, cofondé par trois frères au passage, Quantum Error est un jeu d'horreur qui vous mettra dans la peau de Jacob Thomas, un pompier de San Francisco, qui va devoir venir en aide à des employés de la société Nomad. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette société travaille sur des implants technologiques directement insérés dans le système nerveux des gens afin de les contrôler. Qu'est-ce qui pourrait tourner mal, hein? Eh bien ça, vous le saurez en jouant à Quantum Error, qui devrait être une sorte de FPS atmosphérique assez flippant. Alors, j'en sais pas beaucoup plus pour l'instant. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'un des développeurs, Mika Jones, que j'ai pu interviewer, eh bien, est un gros fan de l'audio de Tempest. Hein. Vous savez, c'est cette technologie d'audio 3D que va proposer la PlayStation 5. Pour lui, cette technologie va vraiment améliorer l'immersion dans les jeux, en permettant par exemple de localiser précisément l'origine des sons. Alors, j'ai hâte de voir ça, enfin plutôt d'entendre ça, quand le jeu sera dispo sur PlayStation 5, certainement à son lancement. Dévoilé lors du salon de l'E3 en 2019, Rainbow Six Quarantine semble lui aussi avoir été confiné depuis. En effet, Ubisoft n'a rien communiqué sur ce nouveau jeu dans l'univers de Rainbow Six. Par contre, quelques fuites sur internet laissent entendre que le jeu proposera plusieurs classes de soldats et différents types de missions dans un univers où une épidémie semble avoir fait pas mal de dégâts. Tiens, tiens. Bref, on ne sait rien ou pas grand chose de ce Rainbow Six Quarantine. Seule certitude, il sera bien disponible sur console next-gen. Ubisoft a confirmé que son FPS orienté e-sport, Rainbow Six Siege, sera bien entendu disponible sur les consoles next-gen, et cela dès leur lancement. L'éditeur français promet aussi que le jeu sera cross-gen et permettra donc aux joueurs de s'affronter sur PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X. Pas d'autre info à se mettre sous la dent, mais on peut imaginer que cette version next-gen sera optimisée en 4K et 60 images secondes, ça me paraît la moindre des choses. L'éditeur Bandai Namco nous prépare un nouvel RPG complètement barré, Scarlet Nexus. Alors, dans celui-ci, vous allez incarner un certain Yuito Sumeragi, hein, j'espère que je le prononce bien, un jeune homme doué de pouvoirs extrasensoriels qui va devoir lutter contre des mutants venus de l'espace qui ressemblent à des bouquets de fleurs sur pattes. Oui, moi-même j'ai du mal à le croire en le disant. Vous l'aurez compris, la direction artistique est complètement perchée, peut-être même un peu trop à mon goût, mais pour le reste, le jeu s'annonce assez dynamique et plutôt joli, même si ce n'est pas encore vraiment une claque next-gen. Affaire à suivre donc pour Scarlet Nexus, en attendant plus de détails. Ça ressemble vraiment à un jeu Alien, mais non, ce n'est pas un jeu Alien, il s'agit de Scorn. Alors pour la petite histoire, ce jeu est en développement depuis 2014 quand même, hein. Ça devait être un format épisodique, et puis finalement ça a foiré, bref. Scorn a refait surface durant le Inside Xbox du 7 mai dernier, et on n'en sait toujours pas vraiment beaucoup plus sur lui. Bon, par contre, c'est clair, ça a l'air super malsain, avec un univers peuplé de créatures cauchemardesques. Scorn est censé sortir à peu près en même temps que la Xbox Series X, je dis bien censé, car avec ce genre de développement très chaotique, eh bien on peut parier sur un nouveau report du jeu à tout moment. En fait, c'est ça le vrai truc flippant avec Scorn. Des gros flingues, des gros dinosaures, ah n'en dites pas plus, moi je signe. Hein. Ça tombe bien, c'est exactement le programme de Second Extinction, un FPS en ligne coopératif, jouable jusqu'à 3 simultanément. Bien entendu, chaque perso aura des compétences particulières, et il faudra trouver le bon équilibre dans votre équipe pour massacrer le maximum de dinosaures mutants, paraît-il.
Bon, ça a l'air bourrin comme c'est pas permis, mais c'est pas moche, donc pourquoi pas. Après, méfiance, hein, c'est fait par les développeurs d'un autre jeu en coop, Génération Zéro, qui est sorti en 2019. Je sais pas si vous en rappelez, mais moi, franchement, pas du tout. C'est au cours des Game Awards 2019 que la suite de Hellblade a été annoncée, hein, en même temps que la Xbox Series X. C'est dire si Microsoft mise beaucoup sur ce jeu. Alors, si vous n'avez pas fait le premier Hellblade, sachez que vous y incarniez la guerrière nordique Senua, atteinte de troubles mentaux qui lui faisaient entendre des voix dans sa tête. Cette spécificité, on va dire, faisait partie intégrante du gameplay et sera bien entendu reprise dans Hellblade 2. Alors, pour le reste, honnêtement, il n'y a aucune info sur le scénario de cette suite. Par contre, vu le trailer, eh bien, on peut s'attendre à un genre monde ouvert, hein, beaucoup moins linéaire que le premier épisode. Visuellement, bah, ça claque pas mal et j'ai hâte d'en savoir plus, certainement lors du Inside Xbox en juillet prochain, consacré au jeu des studios Microsoft, hein, car on sait que le studio Ninja Theory qui a créé la série Hellblade a été récemment racheté par Microsoft. Bref, vivement juillet. Vous connaissez le jeu Où est Charlie? Eh bien, Ubisoft a inventé une variante, mais où est Skulls & Bones? En effet, le jeu a été présenté à l'E3 2017, hein, et depuis absolument plus aucune info sur ce jeu de combat naval dans l'univers de la piraterie. Enfin si, une quand même. Il ne faut pas s'attendre à le voir débarquer avant avril 2021. Et ça, c'est vraiment le minimum. Hein. Bon, en tout cas, ça confirme qu'il sortira bien sûr console next-gen, enfin peut-être même les consoles next-gen. Le prochain gros jeu des studios Bethesda, ce ne sera pas un Fallout ou un Elder Scrolls, mais Starfield. Révélé lors de l'E3 en 2018, le jeu est paraît-il en développement depuis de nombreuses années et a l'ambition de proposer une aventure spatiale hors du commun, mais aussi crédible. En effet, Todd Howard, le producteur du jeu, a visité la société SpaceX, vous savez, qui appartient à Elon Musk, afin de s'imprégner de ses recherches, notamment sur un nouveau carburant pour les voyages spatiaux. Bref, Starfield s'annonce très ambitieux, mais pour l'instant, le décollage vers les étoiles n'a pas encore de date. Like you, most people have contracted their entire lives away to get here. Ça se voit au premier coup d'œil, The Ascent est un jeu à l'univers futuriste et cyberpunk dans lequel des méga compagnies règnent sur tout l'univers. Bref, c'est la suite logique de notre monde actuel. Alors comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un jeu action RPG en vue de dessus où il va falloir tuer tout le monde et récupérer des armes et des augmentations corporelles pour devenir toujours plus fort. Oui, je sais, ça fait pas très next-gen tout ça, on dirait que The Ascent pourrait tourner sur la génération actuelle de consoles, mais en regardant de plus près, on voit que c'est quand même assez détaillé. Et puis, c'est le genre de jeu qui ne paye pas de mine, mais qui peut vite se montrer très addictif. Son prochain jeu Starfield n'est même pas encore sorti et pourtant le studio Bethesda évoque déjà The Elder Scrolls 6. Alors on va calmer tout de suite les fans de la série, le jeu ne sortira pas avant très 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 longtemps, c'est Bethesda qui le dit en tout cas. Du coup on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, excepté ce trailer diffusé à l'E3 en 2018, c'est quand même pas beaucoup. C'est le studio Daedalic Entertainment qui travaille sur cette nouvelle adaptation de l'univers de Tolkien, avec comme personnage principal le sinistre Gollum. Alors, très peu d'informations filtrées pour l'instant, hein. On sait juste qu'il s'agira d'un jeu d'action-aventure à tendance infiltration. En effet, Gollum n'est pas vraiment gaulé pour se battre directement avec des ennemis. La principale nouveauté de gameplay, eh bien, c'est qu'il va falloir gérer les deux personnalités dans la tête de Gollum, décider laquelle va prendre le pas sur l'autre dans des choix narratifs qui auront bien entendu des répercussions sur l'histoire. En parlant du scénario, on sait juste que le jeu débutera dans une prison de Sauron, de laquelle Gollum va tenter de s'échapper. Alors, on attend toujours un vrai trailer, hein. Pour l'instant, il n'y a que ces quelques images. Mais à mon avis, on va attendre encore longtemps, parce que le jeu n'est pas prévu avant 2021. Moi, perso, je ne suis pas très emballé par ces premiers visuels. Mais après, le jeu a encore beaucoup de temps pour s'améliorer. J'espère, en tout cas. «
Le studio Bloober Team, spécialisé dans les jeux d'horreur un peu chelous, hein, comme Layers of Fear ou bien Observer, prépare une nouvelle aventure angoissante. The Medium raconte l'histoire de Marianne, une jeune femme hantée par la vision du meurtre d'un enfant. Pour faire toute la lumière sur cette sinistre histoire, Marianne va devoir voyager entre le monde réel et celui des esprits, car en tant que médium, elle en est capable. Alors, le jeu a de la gueule, je trouve, hein, il rappelle un petit peu Alan Wake, pour ceux qui connaissent, mais c'est surtout la musique qui a fait tilter les fans de jeux d'horreur. En effet, elle est en partie composée par Akira Yamaoka, le compositeur des musiques de Silent Hill. Il était même le producteur de la série à partir de Silent Hill 3. Bref, il y a du beau monde qui travaille sur The Medium, donc on peut vraiment espérer un bon jeu d'horreur sur Xbox Series X. Tout est dans le titre, dans Vampire the Masquerade Bloodlines 2, eh bien vous allez incarner un suceur de sang dans les rues de Seattle, une ville justement sous la coupe des vampires. A vous de choisir votre style, soit brutal, soit séducteur, mais aussi quel gang vous souhaitez intégrer. Bien entendu, vous aurez toute une panoplie de pouvoirs surnaturels, comme la possibilité de vous transformer en brume, afin de passer par les conduites d'aération. Bon, alors techniquement, je trouve pas ça dingue, notamment la modélisation des visages, mais l'ambiance a l'air pas mal travaillée, même un petit peu malsaine. À voir à la sortie du jeu, mais on ne connaît pas encore la date. L'increvable free-to-play du studio Digital Extremes continuera sa carrière sur PS5 et Xbox Series X. Si vous ne connaissez pas Warframe, eh bien il s'agit d'un jeu de tir à la troisième personne, jouable en ligne, qui n'a pas arrêté de proposer du contenu supplémentaire depuis sa sortie en 2013. Alors, on n'a aucune info concrète sur ce que proposera Warframe sur console next-gen, mais on imagine sans peine qu'il sera plus beau et plus fluide. La dernière grosse mise à jour date du mois de mars dernier, donc à mon avis, on ne saura rien de plus avant la sortie de la PS5 et la Xbox Series X. L'incroyable succès du mode Battle Royale du dernier Call of Duty, baptisé Warzone, va se poursuivre sur PlayStation 5 et Xbox Series X. L'éditeur Activision compte bien adapter sur les consoles next-gen sa poule aux œufs d'or. Par contre, on ne sait pas encore s'il s'agira d'une version exclusive aux nouvelles consoles ou juste l'adaptation du jeu actuel. Dans ce cas-là, on peut envisager à l'avenir eh bien, des parties cross-gen avec les joueurs sur PlayStation 4 et Xbox One. En tout cas, c'est dans les cartons et on va certainement en savoir plus prochainement. Ubisoft l'a annoncé, le prochain épisode de Watch Dogs sortira à la fois sur la génération actuelle de consoles, mais aussi la suivante. Alors, dans cet épisode, vous allez vous retrouver dans une ville de Londres post-Brexit, hein, gangrénée par le totalitarisme et la criminalité rampante. C'est vraiment un scénario d'anticipation, n'est-ce pas ? La grosse nouveauté de cet épisode, eh bien, c'est la possibilité d'incarner n'importe quel personnage croisé dans la rue que vous allez pouvoir recruter comme ça, hein, pour grossir les rangs de votre armée de citoyens rebelles. Chacun aura ses compétences personnelles, hein, piratage informatique, force brute, furtivité, et vous devrez bien sûr choisir celui qui est le plus adapté à chaque situation. Alors sur le papier, c'est très très ambitieux, hein, car ça veut dire qu'on peut incarner n'importe qui dans la ville, hein, un homme d'affaires, un bobo hipster ou même une vieille dame. Maintenant, ça peut être un peu casse-gueule tout ça, hein, car c'est beaucoup plus difficile d'écrire un scénario qui se tient quand il n'y a pas un seul et unique personnage principal, mais des milliers à voir. Watch Dogs Legion devait sortir en mars 2020, mais il a été repoussé à une date inconnue. J'espère qu'Ubisoft mettra à profit ce temps de développement supplémentaire eh bien pour confiner son concept, hein, encore une fois très très ambitieux, mais aussi pour améliorer les graphismes. Enfin, c'était déjà pas mal ce qui a été montré. Et puis, j'aimerais surtout avoir des nouvelles du jeu très 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 vite. Let's unfuck this world. Pour ce WRC9, c'est le studio français KT Racing qui revient au premier plan avec le jeu officiel du championnat du monde des rallyes. Hormis les habituels spéciales à travers la planète, ce 9e opus proposera 3 nouveaux pays, le Kenya, le Japon et la Nouvelle-Zélande. Côté véhicule, vous aurez évidemment droit aux bolides officiels avec pas moins de 50 voitures qui iront du junior WRC à la catégorie reine, le fameux WRC. Pour les nostalgiques, eh bien KT Racing a même prévu 15 véhicules qui ont marqué l'histoire du championnat. En ce qui concerne la conduite, l'objectif est de proposer un jeu axé sur le réalisme, tant au niveau de la physique des véhicules que du comportement de ces derniers, en fonction du revêtement. Terminons enfin par une nouvelle qui va ravir les fans de la série, puisque l'éditeur a d'ores et déjà officialisé qu'il y aura un WRC 10 et un WRC 11 sur les consoles next-gen.
Le nouvel épisode de la célèbre série Yakuza, enfin célèbre auprès d'un noyau de fans, hein, sortira aussi sur Xbox Series X. Alors, grosse prise de risque avec ce 7e volet, puisqu'il abandonne le système de combat en temps réel au profit d'un tour par tour plus proche du RPG. À voir comment les fans vont accueillir ce bouleversement. Pour le reste, pas trop de changements, on retrouvera toujours les fameux mini-jeux en pagaille et toujours cette immersion totale dans le monde des mafieux japonais. A noter que si vous commencez le jeu sur Xbox One, eh bien vos sauvegardes seront compatibles si vous passez ensuite sur Xbox Series X. Sugoi, j'ai envie de dire.